Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire est intitulé « L'information en votre possession est-elle traitée de façon sécuritaire ?» Alors, je voulais dire que c'est fait à dessein, la question aussi, pour me permettre de réagir et de dire qu'en fait, quand on parle de sécurité de l'information, on a tendance à mettre des efforts ou à se focaliser sur l'information en notre possession. Mais il faut dire que dans bien des cas, on peut être amené à déléguer l'information à des partenaires. Souvent, on pense à des services impartis, de l'info nuagique aujourd'hui qui est de plus en plus en vogue. Mais dans un tel scénario, on est quand même responsable de la sécurité de ces informations-là. Donc, il ne s'agit pas juste de focusser, permettez-moi, sur l'information en notre possession, mais c'est de l'information plus large dont on est responsable. Alors, le plan de la présentation aujourd'hui, on va l'afficher à l'écran. Naturellement, on a une introduction. Il s'agira de définir notre rôle, de vous parler de nous, le BNQ. Quels sont les services offerts par le Bureau de normalisation du Québec, en passant BNQ, là, Bureau de normalisation du Québec. Donc voilà. Et on va enchaîner avec justement la question de savoir pourquoi s'intéresser à la sécurité de l'information. Pourquoi aujourd'hui on prend du temps à vous parler de la sécurité de l'information. Ça sera l'objet de l'introduction. Ensuite, on va enchaîner justement pour vous parler proprement dit d'un service, ben, des services de certification justement en sécurité de l'information au sein du BNQ. On en a deux services de certification en sécurité de l'information. C'est affiché à l'écran. On a premièrement un service de certification de conformité à la norme ISO 27001, qui est un système de gestion de la sécurité de l'information. Et on a un autre service toujours dans le domaine de la sécurité de l'information, un service de certification, bien sûr. Qui est nommé en fait, qui est la norme Cybersécuritaire Canada, qui est promue par le gouvernement fédéral. Et pour conclure, ben, on va parler du processus d'obtention d'une certification. Finalement, comment, en tant qu'entreprise, organisation, c'est quoi le processus pour obtenir une certification? Et bien entendu, pourquoi faire affaire avec le BNQ comme partenaire pour obtenir une certification en sécurité de l'information? Donc, alors, le Bureau de normalisation du Québec, BNQ, là, on est un organisme créé en 1961. Donc, l'année dernière, on a fêté nos 60 ans. Nous sommes une unité administrative d'investissement Québec et on compte aujourd'hui un peu plus de 70 employés. Alors, notre rôle essentiellement, c'est de contribuer à l'essor économique et social du Québec en offrant des services de certification aux entreprises dans divers secteurs d'activité. Bien entendu, aujourd'hui, on parle de certification en sécurité de l'information, mais on s'entend que le BNQ, c'est bien plus que la certification en sécurité de l'information. On a, par exemple, pour nommer quelques-uns, des services de certification en système de gestion de la qualité, en système de gestion anticorruption, la foresterie, dans le domaine de la foresterie aussi. Donc, on a quand même un portefeuille assez large de services de certification au sein du BNQ.
Encore une fois, aujourd'hui, on va se focaliser sur les services de certification en sécurité d'information, mais je voulais quand même le mentionner pour d'autres personnes. Alors, oui, on a le service de certification au sein du BNQ et pour certaines raisons, lorsque il n'y a pas de normes dans certains domaines ou lorsque le besoin se fait sentir, ben, on a aussi un rôle d'élaboration de normes au sein du BNQ dans divers secteurs d'activité également. Donc, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Le premier, c'est vous voyez un sceau de certification qui passe par des audits, pour ça qu'on l'a nommé audit de certification. Et ben, le deuxième gros service, c'est l'élaboration des normes. Alors, avant d'aller plus loin, de poursuivre, on était quand même intéressé de savoir, pour ceux qui sont ici sur la ligne, quel est le niveau, quel est comment percevez-vous en fait le niveau de sécurité de l'information dans votre organisation ou votre entreprise? Juste une petite question comme ça pour pouvoir continuer. Alex, si tu permets, j'aimerais peut-être que tu puisses permettre afficher la question aux participants. Bon, ça monte, ça monte. Ouais, en ce moment à l'écran, c'est intéressant quand même, je dirais. On parle d'à peu près 50% des participants ici sur la ligne qui ont la perception que la sécurité de l'information au sein de leur entreprise est moyenne. Puis ben, on a le quart qui pense que c'est faible et aussi à peu près le quart qui pense que c'est élevé. C'est intéressant. Moi, si on prend la majorité la plus grosse partie du sondage, 50% pensent que c'est modéré. J'ai envie de dire que c'est peut-être parce qu'ils pensent qu'ils devraient. Il y a place à de l'amélioration. Et ben, on a une égalité de personnes qui pensent que c'est faible et élevé. Pour ceux qui pensent que c'est élevé, je me pose la question de savoir si ils se sont fait évaluer par une tierce partie indépendante pour confirmer finalement ce haut niveau de sécurité. Mais en tout cas, ça serait une bonne chose à faire. Merci Alex, puis merci aussi à vous d'avoir participé à la question. Et voyez-vous, pour poursuivre, je voudrais, ben, en fait, on a préparé quand même quelques statistiques. Qui, à mon avis, sont remarquables, sont frappantes. La première ici à l'écran, c'est une statistique du gouvernement fédéral. La statistique, en fait, ben, elle a été publiée par l'organisme du gouvernement fédéral, ISDE, qui fait état de ce que Google a recensé. 100 millions d'attaques d'hameçonnage et de rançongiciel quotidiennes depuis la mi-mars 2020. Puis le sondage a été fait en 2021, donc un an à peu près après le début de la pandémie. On parle de 100 millions d'attaques d'hameçonnage et de rançongiciel. Ça, c'est une hausse de 600%. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est hallucinant. La deuxième statistique qu'on voulait vous présenter ici,
C'est une statistique, cette fois-là, un rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui fait état de ce que près du quart des entreprises canadiennes ont été victimes de cyberattaques depuis mars 2020. Et parmi ce pourcentage-là, le quart, 5% d'entre elles disent que les attaques menées contre elles ont été fructueuses. Je dirais que ce n'est pas une statistique réjouissante. Pour les entreprises canadiennes, c'est quand même, ça mérite d'y porter attention. Alors, la dernière, c'est-elle ici affichée à l'écran? Selon une enquête récente, ça c'est une enquête Statistique Canada, aussi canadienne, deux tiers des entreprises ont vécu un incident de cybersécurité. Ça, c'est un rapport de 2021. Donc, également, je trouve ça assez inquiétant ou frappant. Donc, on voulait quand même vous le présenter. Puis, en fait, enchaîner en parlant proprement dit des services de certification en sécurité de l'information, comme je l'ai dit, au sein du BNQ. On l'avait dit, on en a deux. On a ISO 27001, un service de certification de conformité à la norme ISO 27001, qui est une norme de système de gestion de la sécurité de l'information. Je sais que je me répète un peu, mais ce n'est pas mauvais de faire la précision. Quelques caractéristiques ici affichées à l'écran de la norme ISO 27001. C'est une norme de portée internationale, très répandue en Europe aussi, je dirais, et partout dans le monde. C'est une norme destinée à tout type d'organisation, donc que vous soyez petite, grosse, moyenne ou internationale, cette norme est adaptée pour vos besoins en sécurité de l'information. C'est une norme basée risque, je dirais, sur le marché. Il y a des approches différentes, il y a plusieurs approches, pardon, et il y a des normes basées contrôle et des normes basées risque au processus et bien d'autres. Donc, ISO 27001, c'est une norme qui a une approche basée sur les processus et qui est conçue pour prendre en compte les risques cyber au sein de l'entreprise. Alors, ici à l'écran, c'est la structure du document tel qu'élaboré par l'organisme international ISO pour la norme ISO 27001. C'est sept, en fait, je dirais sept, mais huit avec une annexe, éléments principaux qui jalonnent la norme. Dans un premier temps, ça ce sont encore une fois une norme, c'est des exigences. Ici à l'écran, ce qu'on présente, ce sont les points qui sont audités, qui sont vérifiés lors d'un audit de conformité à la norme ISO 27001. Dans un premier temps, à l'écran, on voit un contexte. En fait, c'est le contexte d'organisation. On l'a dit, la norme ISO 27001, c'est une norme basée risque et processus. Ça veut dire quoi, le contexte? Encore, je vais préciser ici, on ne va pas faire une formation ISO 27001. L'idée, c'est de sensibiliser à la sécurité de l'information de façon générale. En plus, en ce mois d'octobre, vous le savez peut-être, c'est le mois de la sensibilisation à la sécurité de l'information. Donc, on ne va pas faire une formation, mais en fait présenter rapidement la structure de la norme ISO 27001, qui est une norme de gestion de la sécurité de l'information. Alors, le premier, comme je disais, le contexte, il s'agit ici de comprendre le contexte d'affaires de l'organisation qui implante la norme ISO 27001. On s'entend que une entreprise dans le domaine des finances, le domaine financier, a un contexte d'affaires différent qu'une entreprise dans le domaine manufacturier ou domaine de l'énergie ou le domaine maritime. Donc, l'idée,
ici, c'est de comprendre, de bien comprendre le domaine d'affaires dans lequel on exerce et de voir, ben, à partir de là, quelles sont les lois, les réglementations, les contraintes auxquelles je dois me conformer pour pouvoir, disons, opérer. Aussi, dans cet élément, le contexte, il s'agit de prendre en compte les parties prenantes, de savoir qui sont les parties prenantes. Parties prenantes, en fait, c'est toute personne ou organisme qui serait susceptible d'être impacté ou d'affecter mon système de gestion de la sécurité de l'information. Une fois que le contexte est défini, on voudrait la norme, je n'allais pas dire recommande, la norme exige la haute direction, que la haute direction soit impliquée, soit sensibilisée. La norme voudrait que on démontre que la haute direction appuie les efforts en sécurité de l'information. C'est ce qu'on entend ici par l'élément leadership que vous voyez à l'écran. Donc, puis après, une fois que ces éléments-là ont été validés par l'auditeur, l'auditeur veut aussi, en lien, en conformité avec la norme, de voir une planification. Donc, une fois qu'à haut niveau, on a compris dans le domaine d'affaires dans lequel on est, qu'on a l'appui de la direction, il faut définir des objectifs en termes de sécurité d'information. Ça fait partie de la planification. Et une fois que on a planifié la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité de l'information, ben, quels sont les éléments qui viennent supporter cette planification-là? Donc, est-ce qu'on a les ressources nécessaires? Est-ce qu'on a les compétences? Comment j'allais dire, la sécurité de l'information et la sensibilisation est faite à l'intérieur de l'organisation, comment on communique sur les éléments de sécurité de l'information. Et ben, un peu plus loin, le fonctionnement. Donc, ça, c'est des aspects, si je peux dire, opérationnels. On l'avait dit, la norme ISO 27001, c'est une norme basée. Risque. Donc, il s'agit ici de faire une appréciation des risques qui pèsent sur l'entreprise et de définir comment on en fait le traitement. Une fois que les risques ont été identifiés, évalués, c'est quoi le plan d'action en fait pour gérer ces risques-là? Puis, bien, l'évaluation, qui est un autre élément non des moindres, il s'agit entre autres là, de savoir comment, une fois qu'on a mis en place des contrôles, on a défini, on a élaboré un plan de traitement des risques, comment on évalue la performance de notre système? À travers des audits internes, est-ce qu'il y a une revue de direction? Comment m'assurer que on va dans la bonne direction? Donc, c'est ce qui est compris ici dans cet élément. Et enfin, l'amélioration. L'amélioration continue. On s'entend, ce n'est pas l'objet uniquement de la sécurité de l'information. Nous-mêmes, en tant que personne, ben, on s'améliore, puis on s'améliore continuellement et on souhaite justement avoir on privilégie l'amélioration continue dans nos systèmes. Donc, c'est également aussi intégré dans la norme ISO 27001, le concept d'amélioration continue. Alors, ce que vous voyez en dernier ici, c'est une annexe, on va dire une annexe normative. Ce que je vais dire là-dessus, c'est un ensemble de recommandations de contrôle qui sont applicables à un système de gestion de la sécurité de l'information.
vite fait, on parle de 114 contrôles qui ne sont pas forcément tous applicables pour votre organisation, mais ils sont élaborés, c'est des recommandations, des lignes directrices pour, disons, pour un système de gestion de la sécurité de l'information. Donc, il s'agit de passer en revue ces contrôles et de voir si oui ou non ils sont applicables à notre système. Puis, ben oui, des fois, il faut justifier pourquoi ils ne seraient pas applicables. Et voilà. Donc, grosso modo, sans, comme encore je l'ai dit, sans trop rentrer dans les détails de la norme ISO, nous, au BNQ, en tant qu'organisme de certification, lorsque on audite une entreprise ou une organisation sur la conformité ISO 27001, c'est essentiellement les éléments qui sont passés en revue. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'avantage d'être certifié ISO 27001? Bon, évidemment, c'est un système de gestion de la sécurité de l'information. Donc, c'est naturellement une façon de d'assurer la protection des actifs informationnels contre les menaces qui peuvent peser sur ces actifs-là. Mais la norme ISO 27001 aussi, souvent, est exigée par des partenaires pour répondre à certains appels d'offres, pour faire affaire avec certains partenaires, acquisition ou expansion, c'est souvent exigé. Ça peut être exigé, ça peut vous être exigé comme une clause pour une obtention d'un mandat. Donc, en étant certifié ISO 27001, vous augmentez vos chances de pouvoir répondre à certains appels d'offres. Évidemment, le saut de la certification, le saut de conformité ISO 27001 vous permet de capter des opportunités et intégrer systématiquement les enjeux identifiés. Quand on parle d'enjeux, là, vous le voyez en gras. C'est un élément qui a été vérifié en fait dans la diapositive précédente. C'est les parties prenantes, c'est le domaine d'affaires, qu'est-ce qui pèse sur nous. Donc, en étant certifié ISO 27001, ben, vous intégrez systématiquement ces enjeux identifiés. La norme ISO 27001, je l'ai dit aussi, c'est une norme de portée internationale. Donc, pour souvent, ben, pour exporter votre, permettez-moi, l'anglicisme business ou votre entreprise, vous pourrez être amené à devoir vous faire certifier ISO 27001. Et donc, c'est un levier aussi à ce niveau-là. On l'a dit, l'amélioration continue, évidemment, est intégrée de façon est très bien en fait dans la norme ISO 27001. Donc, vous voyez ici, on a mis un petit sceau de certification de conformité, le logo du BNQ et la version de la norme ISO 27001 qui est visée. Alors, ça nous amène au deuxième service de certification en sécurité de l'information au sein du BNQ. C'est le service de certification à la norme canadienne Cybersécurité Canada. C'est relativement nouvelle, qui a été promue par le gouvernement fédéral pour aider, pour améliorer la résilience cyber des petites et moyennes entreprises. On va le dire, ça a été conçu pour précisément les petites et moyennes entreprises qui, des fois, n'ont pas forcément la compétence, le budget, les ressources pour mettre en œuvre la sécurité de l'information. Au moins,
C'est cette norme canadienne vient donner quelques recommandations aux PME pour améliorer leur cybersécurité, j'allais dire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? De quoi il s'agit concrètement, la norme canadienne cybersécuritaire Canada? C'est des contrôles. On l'avait vu, ISO 27001, on avait dit que c'était basé processus et risque. Celle-ci, cybersécuritaire, elle est basée contrôle. Donc, pour faire le parallèle avec ISO, on avait en annexe là, une liste de contrôle ici qui était comme des guides. Ici, c'est des contrôles qui sont prescrits aux petites et moyennes entreprises pour améliorer leur cybersécurité. Donc, on parle de 13 contrôles essentiellement qui jalonnent la norme cybersécuritaire Canada. Et ben, je voudrais aussi vous mentionner que justement pour encourager les petites et moyennes entreprises à adopter et se faire certifier cybersécuritaire Canada, le gouvernement fédéral a mis à la disposition des petites et moyennes entreprises des financements disponibles à travers divers organismes régionaux à travers le pays. Je pense que à peu près toutes les régions pourraient, sont desservies. Et donc, c'est du financement pour accompagner les entreprises à implanter des contrôles de base. Et il y a aussi un volet pour une subvention à la certification ISO, pardon, cybersécuritaire. Justement, la certification qui est offerte par des organismes, par le BNQ, là, j'allais dire, les organismes de certification de façon générale, mais en particulier le BNQ. Alors, à l'écran ici, c'est la structure, cette fois-là, de la norme cybersécuritaire Canada. Bon, il y a plusieurs éléments, mais je voudrais pas vous emballer trop. Les principaux, on va parler des principaux. L'introduction, c'est la mise en contexte, pourquoi ça a été promu. Les contrôles organisationnels et les contrôles de base sont, disons, les principaux éléments de la norme cybersécuritaire Canada. Et après, on a, bon, je vais parler les contrôles organisationnels. Vous savez, la cybersécurité est différente d'une entreprise à une autre. Dépendamment de ce qu'on veut sécuriser, de la valeur de nos actifs, on ne peut pas forcément avoir le même niveau de cybersécurité. Le contrôle organisationnel, en fait, c'est ce que ça veut dire. Je m'explique. Il s'agit d'évaluer la taille de l'entreprise, de connaître ses actifs, la portée, la valeur de mes actifs. Et à partir de là, justement, appliquer les contrôles de base tels que recommandés par la norme cybersécuritaire Canada. Je voudrais aussi dire rapidement sur la norme cybersécuritaire Canada, c'est qu'une fois que vous avez classifié, j'allais dire, vos actifs, la norme cybersécuritaire Canada, en fait, est prévue pour vous prémunir des préjudices de niveau moyen et moins. Je m'explique. Il y a généralement des niveaux de classification faibles, très faibles, faibles, moyens, élevés. On en a quatre. Puis, la norme cybersécuritaire Canada et les contrôles de base qui sont contenus s'appliquent ou sont prévus pour des risques de niveau moyen et moins. Une fois qu'on a un risque plus élevé
donc que moyen, là, un risque élevé ou super élevé, à ce moment, ben, vous devez en principe en faire beaucoup plus que des contrôles de base qui sont prescrits par la norme cybersécuritaire. Donc voilà, après, il y a un résumé qui va être plus directif, point par point, des éléments de contrôle qui sont applicables sur, pour la norme cybersécuritaire. Des exemples de contrôle de base, c'est, mettons, je peux dire quoi, la sauvegarde. La sauvegarde, la norme prescrit de faire des sauvegardes régulières. De vos actifs, de vos systèmes et de les séparer, en fait, de les mettre à un endroit sécurisé, bien évidemment, pour pouvoir y avoir accès en temps et lieu et ne pas permettre à une personne non autorisée d'y avoir accès. Donc, la sauvegarde, le chiffrement des données au repos. C'est d'établir un périmètre de base. En fait, on recommande de séparer en fait votre réseau, pas de le séparer, mais oui, de le séparer, j'allais dire, votre réseau interne d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, bon, s'il y a une passe droite directe de l'Internet à vos actifs, c'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, on recommande d'avoir un coupe-feu. En avant de vos actifs informationnels pour faire le mot le dit là, le coupe-feu entre vous et l'externe. C'est d'activer les logiciels de sécurité, on parle, mettons, des antivirus, des anti-malware, de les mettre à jour fréquemment. On recommande une, j'allais dire, une mise à jour automatique. De logiciels, quoique des fois ça peut créer d'autres problèmes, mais c'est à évaluer et quand c'est possible, on recommande d'avoir des mises à jour automatiques de vos logiciels de sécurité, d'élaborer un plan d'intervention en cas d'incident. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes victime d'un incident de sécurité? Qui contacter? Qui sont les personnes responsables? Si. Le plan doit être bien élaboré pour pouvoir dire étape par étape ce qui doit être fait en fait en cas de d'incidents de sécurité. On parle aussi, mettons, de la configuration par défaut. On s'entend, même chez nous, à la maison, on achète un routeur. Il y a des configurations qui sont faites par le manufacturier de base, mot de passe administrateur de base. C'est de vérifier ces éléments-là, de les changer. De ne pas laisser un mot de passe par défaut sur vos actifs. C'est pas très joli, c'est pas très chouette. C'est des exemples d'éléments comme ça, vraiment de base, qui sont prescrits dans la norme cybersécuritaire pour les petites et moyennes entreprises. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment la base, c'est pour les petites et moyennes entreprises afin de les amener à un autre niveau de sécurité de l'information pour des préjudices moyens et moins, j'allais dire. Et là, ici à l'écran, une annexe aussi qui en fait, d'une certaine façon, répète ou résume les contrôles dont j'ai parlé. Donc voilà. Ici à l'écran, bon, on vous parle, comme on l'a fait pour ISO 27001, des avantages à être certifié cybersécuritaire. Bon,
en tant que petite et moyenne entreprise, ça vous permet, une fois que vous avez, parce qu'il y a une chose, c'est implanter les contrôles de base, aller chercher la certification vous permet de vous valider, j'allais dire. C'est ce qu'on entend ici, par une tierce partie indépendante. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, on est bon, mais est-ce que ça serait le cas ou la même réponse si on se faisait évaluer par un organisme indépendant? Donc, c'est l'avantage de se faire certifier cybersécuritaire. On dit ici que il permet de promouvoir l'intégration des facteurs ESG. Alors, sans trop rentrer dans les détails, les facteurs ESG sont les facteurs, des critères qui sont mis de plus en plus en avant par le gouvernement, les gouvernements et les institutions financières pour prendre en compte l'aspect environnemental, social et de gouvernance au sein des entreprises. Et de cette façon, vous pourriez bénéficier ou avoir des, j'allais dire des avantages ou des rabais, mais en tout cas, la certification, être certifié cybersécuritaire est un élément important dans l'intégration des facteurs ESG. Bien évidemment, être certifié cybersécuritaire, comme peut-être d'autres normes aussi, vous permet d'attirer des potentiels investisseurs. Aujourd'hui, on s'entend, la cybersécurité est un enjeu, j'allais dire, capital dans l'ère numérique dans laquelle on se trouve. Et donc, pour des investisseurs, ça les rassure de voir qu'une entreprise s'est faite certifier par une partie indépendante. Et donc, ça dénote de ce que l'entreprise intègre bien la sécurité de l'information ou la cybersécurité en son sein. Donc, on l'a dit, rehausser la posture de sécurité des PME et de rassurer aussi les clients et les partenaires. Parce que moi, en tant que client, de voir qu'une entreprise est certifiée cybersécuritaire, ben, ça me rassure. Ça me donne l'envie de continuer à faire affaire. Donc, c'est un avantage concurrentiel par rapport à d'autres organismes ou entreprises concurrentes. Alors, cette diapositive ici me fait souvent, me fait sourire particulièrement parce que très souvent, on se fait contacter par des entreprises, des organisations qui veulent se faire certifier ISO 27001. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils s'attendent, pour X raisons, à ce qu'on les accompagne dans le processus. Et donc, de facto, qu'on implante, en guillemets, la norme. Alors, la diapositive ici, on voit trois éléments, explique en fait que nous autres, le BNQ, est situé à ce niveau. Donc, on voit le dernier cercle, le deuxième et le troisième, on est un organisme de certification. Donc, nous autres, on réalise des audits de certification, mais on n'implante pas la norme. La norme visée, ça peut, parlons ici de d'ISO 27001. Donc, la première chose à faire par une entreprise qui veut être certifiée, c'est d'implanter la norme. Et pour implanter la norme, si elle a les ressources, elle peut le se faire. Elle peut implanter la norme à partir des ressources internes. Si elle n'a pas les ressources ou les compétences à l'interne, peut faire affaire. Il y a des organismes, des firmes spécialisées pour accompagner les entreprises à implanter la norme sur le marché. Des personnes qualifiées et compétentes, même pigistes, qui pourraient accompagner l'entreprise
pour implanter les exigences de la norme. Ça, c'est en amont. Une fois que c'est implanté, là, on se ramène ici au deuxième siècle. C'est à ce moment que le BNQ intervient. Donc, nous autres, on vient comme vérifier que l'implantation est faite selon les règles de l'art et on aboutit justement à la délivrance d'un certificat. Une fois qu'on a confirmé que tout a été fait selon les règles de l'art, ben, le BNQ à ce moment va délivrer finalement un certificat de conformité à la norme auditée. Comme on le dit en sécurité de l'information, ça peut être un certificat ISO 27001 ou un certificat de conformité à la norme canadienne cybersécuritaire Canada. Donc, on l'a dit en introduction, en fait en conclusion, il s'agirait de dire, une fois qu'on a présenté ça, pourquoi faire affaire avec le Bureau de normalisation du Québec pour se faire certifier en sécurité de l'information. Alors, je l'ai dit, nous sommes en affaires depuis plus de 60 ans, donc nous sommes reconnus depuis plus de 60 ans en tant qu'organisme de certification pour plusieurs normes. Et donc, on jouit en fait d'une expérience de certification en système de gestion. On a parlé du système de gestion de la qualité, qui est quand même l'un de nos plus vieux programmes, mais comme système de gestion de la sécurité de l'information, système de gestion de la qualité, on s'entend que c'est tous des systèmes de gestion. Donc, on connaît bien la matière, nous sommes reconnus depuis plus de 60 ans, nos processus sont très matures et rigoureux, j'allais dire, ce qui fait que une certification délivrée par le Bureau de normalisation du Québec à travers ces processus rigoureux sont très reconnus pour la fiabilité du système. Donc, on met un accent particulier, nous autres, sur la formation de nos auditeurs sous-traitants et de leurs compétences. Donc, c'est des éléments qui, disons, nous distinguent d'autres organismes de certification. Je vais répéter la rigueur, la formation, l'expérience en termes de certification du système. Mais bon, pour sortir, j'allais dire qu'on est quand même le seul organisme de certification francophone en Amérique du Nord en termes de certification de système de gestion de la sécurité de l'information. Donc, pour des entreprises qui ont des barrières à ce niveau de travailler en d'autres langues, ça peut être intéressant pour vous de faire affaire avec le Bureau de normalisation du Québec. Voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui en ce mois de sensibilisation à la sécurité de l'information. C'est pour nous, au sein du BNQ, la contribution qu'on peut apporter.